Hey, c'est Ludilist. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo d'ouverture. J'ai beaucoup trop hâte puisque c'est une extension que beaucoup de personnes attendent. J'ai reçu 10 boosters de chez Konami. C'est l'extension Eternity Code. À l'intérieur, il y a énormément de cartes que tout le monde attend. On va avoir des cartes comme le Veiler qui est édité en Starlight. J'ai beaucoup trop hâte de le voir. Je l'aurai sûrement pas dans mes boosters, mais j'ai hâte de voir comme à quoi il ressemble. On va avoir des cartes comme la Trappe du Fossoyeur qui est complètement débile. On va avoir la Lien Charmeuse d'eau, la X64 Trap Tricks qui va buff le deck qui a l'air super intéressante. Le Fantôme du Défunt qui est la nouvelle Entrap. On va avoir des nouveaux Gizmek, une nouvelle Dragon Maid. Et enfin, le Girsu qui va buff le deck tout simplement Orcust, même s'il n'en a pas vraiment besoin selon moi. Ça va être fou. Voilà, cette extension est beaucoup trop cool. Je viens de vous lister toutes les cartes extrêmement fumées de cette extension et il faut savoir une chose, c'est que la seule carte que je cherche vraiment dans cette extension, c'est une commune. Voilà, je cherche tout simplement le petit dragon qui s'affiche juste ici. J'ai pas encore le nom puisque j'ai pas le... C'est pas une carte qui est sortie officiellement, j'ai mangé son nom. C'est un dragon trop fort, il est level 7, il se spé. S'il y a un dark dragon qui se spé sur le terrain, s'il va au cimetière parce qu'il est utilisé en matériel lien, tu pioches un et quand il est dans le cimetière, tu peux le bannir et annuler un effet qui target. Carte beaucoup trop forte, elle est dans cette extension, elle arrive enfin dans cette extension, j'ai beaucoup trop hâte. J'ai reçu 10 boosters. Il y en a un 11e qui est juste ici, on en reparle à la fin de la vidéo, pas grand chose à vous dire de plus, si ça vous plaît, le pouce, l'abonnement. J'ai beaucoup trop hâte, let's go, on passe sur l'ouverture. Ok, donc mes boosters sont juste ici, et bien écoutez, on va commencer sans plus tarder. Hein. Hop. Alors, Briseur, Épéiste, Virus, il est super joli, de monstre à effet, ça peut peut-être devenir un lien un peu générique. Guerrier ancien, il y a du guerrier ancien dans cette extension, ok, belle machine. Artisan des profondeurs, c'est vrai qu'il y a du support haut dans cette extension. Et une première secrète. Mais quoi? On commence avec une secrète, ça fait super plaisir. Je me trompe pas, mais c'est pas secrète obligatoire. Hein. Je crois pas que ce soit secrète obligatoire dans ces extensions. C'est une extension principale, donc normalement non. Mais en tout cas, ça fait super plaisir. Et par contre, c'est juste une secrète. Donc ça augmente les ratios, c'est vrai, c'est comme ça. Une nouvelle Salamangreate. Dragon Toiti et oh yes, c'est cette carte là que je cherchais. Il m'en manque encore une, je suis trop content. Premier booster, une secrète, la carte que je cherche. Bah écoutez, je suis refait. Franchement, je suis refait. Ça fait super plaisir. On n'a plus qu'à enchaîner et continuer. Et voilà, je suis heureux tout simplement. Ça fait méga plaisir, bordel. Prisme Nécroquip, Diapason Cramoisi, Cheveux d'or. Ah oui, c'est les patrols, c'est vrai. Brise Coder Zero Day. Oh, Dame de la Lamentation, elle est belle. Elle est belle, elle est belle, elle est belle. Roi des Bêtes Barbaros, donc c'est une rareté par booster. Sentinelle des Profondeurs. Encore du Profondeur. Et le Dragon Toiti qu'on en a eu tout à l'heure. Alors, Rafale Lien. Gookie le puissant. Alors, ça, c'est cool, parce que du Gookie, c'est un bon deck. C'est un deck que je trouve moche, vraiment. Mais je trouve cool. On a le support Dragon du Tonnerre en commune qui fait plaisir. Parapluie Némésis, c'est une super. Ok. Mage Splash, Family Rouge, Requin Lanterne et du Patrol. C'est vrai que dans cette carte-là, dans ces extensions-là, je crois que c'est à partir de cette extension-là que les... Eh bien que tout simplement les short prints sont réduits, c'est pour ça qu'on n'a plus qu'une seule rareté, puisqu'il n'y a plus de rares dans ces extensions-là, on n'a plus qu'une seule rareté par booster. Donc on a eu du support maléfique, Presme Necrokeep, du Nemesis, hop, qu'est-ce qui se passe avec le macro? Voilà. Du Patrol, une super. Voilà, X5. Du Guerrier Ancien, du Pot Artiste, du Proxy, et... Griffe de fer Gookie. On a beaucoup, enfin vraiment cette extension elle est très complète, il y a énormément de cartes différentes, d'extensions différentes et ça fait plaisir, voilà tout simplement. J'espère juste vraiment, c'est l'objectif, hein, c'est d'avoir cette carte là en un deuxième exemplaire parce qu'elle est beaucoup trop forte et ça jouera peut-être sur le fait que Rocket doit se faire toucher parce qu'on reçoit du support pour un deck qui est déjà fort et ça me fait vraiment peur. Alors, Rafalien à nouveau, du Goldilock. Du Florissante Cabriole, du Nemesis, et encore... Oh, mais c'est le nouveau invoqué. C'est le nouveau invoqué. Ok, ça marche. Tac. Du Requin Lanterne, Course Chirurgicale, Sentinelle de Profondeur, et Ordre de Diapason. Tac. Carte très très 5DS quand même. Hein. Tu
Je suis content, on a eu une secrète. Vraiment, c'est ouf. C'est ouf que moi, j'arrive à faire tomber des secrètes, ça arrive jamais d'habitude. Breezer, Breeze Coder Zero Day, répartition, réapparition de l'homme magnifique, Prisme Necroship, Splash de réanimation X's et du petit Nemesis. C'est une jolie carte, dis donc. Je la trouve vraiment belle. Derrière, on a le magicien Proxy F, un elfe qui est assez joli, mine de rien. Pluie Bozu, elle est trop mignonne cette carte. Et on a. Ouah, le nom est imprononçable, je vais pas le lire. Premier booster, on a eu la carte que je voulais, je suis trop content, j'espère juste qu'on va faire tomber une deuxième. Artisan des profondeurs, pirate fantôme, ok. Elle est grave de flow. Requin 6 circulaire, Basilamina Marinces, une ultra, yes! Yes, ça fait plaisir. On fait tomber une ultra. Mais écoute, c'est... franchement, je suis grave content. Hein. Du supralourd. Yes, yes, yes. J'ai les deux. J'ai les deux, je suis trop refait. Et le dragon dont on parlait tout à l'heure. Mais il nous reste 3 boosters à ouvrir. Encore une fois, c'est une vidéo rapide, mais dans ma dernière vidéo où j'ai ouvert que 10 boosters, c'était quoi comme extension déjà? C'était l'extension avec les Eldritch, là. Et c'est une vidéo qui durait 7-8 minutes, et certains m'ont dit qu'ils adoraient. D'ailleurs, je vais mettre un sondage, tiens, juste en haut, pour que vous puissiez me dire ce que vous en pensez. Qu'ils aimaient bien le fait que ce soit court, rapide, on va à l'essentiel, et d'autres qui disent bah c'était un peu trop rapide, on est en confinement, on aime bien avoir des vidéos un peu plus longues, donc dites-moi ce que vous en pensez, je vous mettrai un sondage juste en haut. Xyd parallèle, un petit Cybers qui est très intéressant, qui est le puissant ogre, un briseur de code Berserker Virus, une petite super fête du patrol, le village, course chirurgicale, guerrier ancien, du patrol à nouveau, et griffe de fer Gouki. Il nous reste 2 boosters. Franchement, si on fait tomber une autre secrète, ça me ferait plaisir. Après, je vous cache pas que l'objectif, vraiment, c'était de faire tomber ces cartes-là. Elles sont tombées, je suis heureux. Genre vraiment, je crois que c'est une des seules vidéos où... Enfin, c'est rare que quand je fais une vidéo d'ouverture et que je suis content, et là, il y a la carte que je veux qui tombe, donc je suis satisfait, je suis heureux. Trip Gouki, j'espère que... Enfin, peut-être que ça rendra le... Mais vraiment, les cartes sont pas belles, quoi. Mais peut-être que ça rendra le deck plus fort, vu que le deck était déjà assez intéressant. Breezer Code 0, du Supralourd, réparation de l'œil maléfique, une super artisane sorcière. Ah, il y a du super artisane sorcière dedans, bien d'accord. Requin Lanterne, Familier Rouge... Cette carte-là, vraiment, le nom est incroyable. Dernier booster, il est juste ici. Imaginez, j'ouvre le booster. Il a une Starlight. Non, c'est impossible. Impossible que moi, je fasse tomber une Starlight. Genre, ça serait vraiment ouf. Mais bon, j'ai les cartes que je veux. Je ne sais pas pourquoi je me mets des objectifs ou quoi que ce soit. Xyd parallèle, escalier du courrier, guerrier ancien, splash de réanimation... On a fait tomber une secrète, une deuxième secrète. Mais c'est incroyable cette ouverture. Mais je suis trop heureux. J'ai eu 2 secrètes et les cartes que je voulais. Mais franchement, je suis trop content. Genre, ça fait grave plaisir. Ça donne envie de faire des ouvertures. Genre je suis heureux. Vraiment, c'est tout con, mais je suis heureux. Heure du diapason. Jumelle des enchaînés, c'est une bonne carte. Fierté du patrol du village. Et la dernière carte. Pff, allez, vous savez quoi? C'est free bonus. Je suis tellement heureux. Donc je le rappelle, je vais vous le dire tout de suite pour ceux qui veulent quitter la vidéo, qui n'ont pas envie de regarder le récap ou quoi que ce soit. Ce booster là, il est à gagner. Je le ferai pas gagner sur ma chaîne YouTube. Je le ferai gagner sur mon Instagram. Désolé pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, mais c'est vraiment le réseau sur lequel je suis le plus actif. Le lien sera dans la description. Les conditions de participation seront super simples. Tout vous sera expliqué dans le post. Voilà, je suis trop content, je m'excuse, mais je suis trop content, on a fait tomber 2 secrets. Alors déjà, on a fait tomber ces petits bébés là, vraiment cette carte là, je vous mets le texte pour que vous puissiez le lire, hop, je vous fais le macro dessus, mettez en pause, lisez-le, vraiment le texte, cette carte là, elle est incroyable, et surtout, attendez, je vais les mettre sous sleeve, il faut que je trouve des sleeves. Attendez, on a quand même fait tomber en 10 boosters, 2 secrets, et une ultra, bah, je veux dire, c'est quand même... C'est quand même pas dégueulasse, hein, clairement. Hop, une troisième pour la... Donc, on va regarder les super déjà. On a fait tomber... C'est pas trop mal hein, qu'il y ait plus de rares, finalement. De l'artisan sorcière, fête de patrol au village, du Nemesis, le nouveau invoqué. Peut-être que Volt, ça t'intéressera. Si ça t'intéresse, je te le file, il n'y a pas de problème. Du lancier requin, du Paris Nemesis, petite malice dame de la lamentation qui est très très belle, hein, vraiment elle est très très belle cette carte, ça fait un peu succube, hein, elle est super intéressante. On a fait tomber Prima Donna des profondeurs, on a fait tomber Titan Nocideuse, et on a fait tomber le petit Gizmec qui est juste magnifique.
Eh bien écoutez, voilà, cette vidéo est maintenant terminée, je suis heureux. Alors, c'est vrai que mon objectif principal, c'était ça, et je les ai eus. Alors, j'en voulais que deux, j'en ai eu trois, je suis le roi du monde. Et puis, on a fait tomber The Secret, je suis vraiment très content. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à participer au concours sur Instagram, le lien sera dans la description. On est encore en confinement, donc prenez soin de vous, faites de nombreux duels et collections de cartes, et surtout, à bientôt les potes. Allez, ciao !